Ah, je suis support. Ah. Je parlais au chat, les gars, je savais pas que j'étais support. En vrai, c'est moche ce que j'ai fait, c'est exact, et je le reconnais. Frérot, ils ont fait 15 swaps ou quoi en face? C'est qui la DC? C'est Kyle? Tu sais que no joke, je mets un gank à Panthéon, le Shen il meurt plus, et Shen gagne la map. Oh Théma, c'est Exodia leur compo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Panthéon, Seraphine Mid, Kyle ADC. Vous savez quoi les gars? Regardez bien. Je gagne cette game, j'ajoute Brandon Ami et je lui offre 10 euros de RP. Voilà. C'est dit, c'est clippé. C'est-à-dire que je lui donne des Puntos et je lui donne des RP. Et si je perds, il a rien du tout, il va juste se faire enculer. Je sais que quand P joue, il est autophile, il joue Brand support, frérot. Je pense que je préfère choper le tétanos que voir son Brand dans ma game, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour lui. C'est quoi mon pseudo, les gars? C'est Sixen avec un S majuscule, c'est ça? Qui a compris le flash, les gars? Celui qui a compris le flash, les gars, je lui offre 10 subgifts. Ça tombe bien, t'es pas streamer, du coup, 3 rien. En gros, pour ceux qui connaissent pas Nocturne, il fire à l'opposé. En gros, voilà. Là, si tu fires en bas, il va être fire en haut. Voilà, grosso modo, c'est ça l'idée. Et du coup, vu que je l'ai fire en étant au-dessus de lui, je l'ai ramené sur chaîne, qui du coup a permis le taunt sur le chaîne. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Non. Pas Kyle. Pas comme ça, pas de bon matin, là. Il attaque la Zélie, j'ai pas compris là. Attends quoi? Mais c'est pas normal, une Kyle ça peut pas 2v2. Elle est sous ballon la Zélie, frérot, c'est pas possible. Mais comment Kyle peut choper une double kill? J'arrive pas à comprendre, elle joue first strike. Enfin, elle joue Prezi attack. C'est pas comme si elle jouait l'étal tempo et qu'elle avait stack quelque chose quoi. Pas grave, je vais carry avec le chaîne. Ah d'accord, encore le flash. Allez Zélie! Oh! Le flash! La wave, il faut les tuer là. Où tu vas là, con de Tamir? Il balade! Là, ça passe, ça. Ça passe ou ça trépasse là? Je pense que c'est wardé. Mais s'il tente. Ok, il a dashin. Je coupe la retraite. Ouais. Et là, tu es tout seul, mon frère. Ok. Non? Ah, je me suis fait random du coup. Pas mal. Il avait juste à attendre. Hein. Bon, la game est pas évidente, la team. J'ai connu plus simple. C'est vrai qu'on a Nocturne Chain, on peut suivre l'ultime. Enfin, il peut suivre mon ultime. En vrai, go le tuer, lui, il m'a cassé les couilles. Panthéon, ça se fait outscale. Je pourrais tenter un Herald, mais le fait d'être home et tout, c'est un peu compliqué. Alors, à défaut de ce que vous pouvez croire, Shen c'est un champion qui s'en sort plutôt bien en 1v1 et qui peut être weak side. Mais moi, à la différence, j'aime beaucoup jouer avec Shen, parce que Shen ça snowball plutôt bien le matchup, surtout qu'il joue Ignite. Déjà il gagne sa lane et en plus de ça il peut agir sur les autres lanes. J'avais les couilles dans le mur, frère! La Talia, elle pouvait faire le Drake, j'ai pas compris pour aller à la mon raid. Disons que c'était un plan comme un autre, quoi. Je suis en train de capter, regardez la draft de la game. Ils ont Panthéon qui peut utiliser le R, ils ont Talia qui peut utiliser le R, moi j'ai le R, et Shen il a le R. On a 4 persos qui dashent sur la map, quoi. C'est une folie, en vrai. Voilà! Le Shen, et voilà! Ça veut toujours laisser les top laners en weak side, pusher, ils ont rien demandé, hein. Oh putain, il a aérobot au lieu de R la Nico. Strike! Qu'est-ce qu'il est bon ce chaîne? J'ai même pas besoin d'Hérald.
Ils veulent pas jouer avec moi, ça me casse les couilles, je suis énervé. Stop, Zeri, on n'a pas besoin de trade, mon frère. On a juste besoin de faire un dragon, c'est tout. C'est tout, les gars. Mais aidez-moi à taper, putain, qu'est-ce que tu fais, un flank, là? On en a rien à foutre. Voilà. Kyle, il est en 3-4 au final, hein. Il est pas si bien que ça. Ça a repoussé les dégâts du coup. Tu sais qu'ils ont une compo late game, mon frère. C'est entre Seraphine Manda et la Kyle. Pour moi, j'ai le late. Bon, en vrai, ouais, je pense que les deux compos se valent. Les deux compos peuvent gagner. Parce qu'en soi, même si Kyle c'est late game, elle est pas censée trop jouer. On a beaucoup de CC. Je pense qu'il faudrait bait. Oui, jungle diable. Elle a pas de flash. En fait, il faut que je prenne le blue trinket, mais j'y pense jamais, les gars. Là, j'aurais dû l'acheter. Un petit délice, ça là. TP. Boukada serait fier de moi, les gars. Ouais, je sais même pas quoi. Je sais même pas comment le dire en anglais. Ok, c'est good. C'est good, c'est good. Bah écoutez, celle-là, elle ira sur YouTube. Voilà, j'ai été malveillant. Finalement, le mec repart avec son skin. Tout le monde est content.